Je suis l'autre, cette fois ça a peut-être changé. Je vais lancer la capture. Hein. Là. Voilà, donc je vous laisse expliquer à nos amis viewers ce qui se passe, allez-y, moi je dors pour l'instant. Ça fait 3 ou 4 vidéos, on doit toujours expliquer ce qui se passe. Ouais, parce que moi je peux plus, hein. je peux plus les gars, j'arrive plus. On est tes invités, c'est ta chaîne, c'est ton contenu. À un moment donné, tu peux plus. Hein. On n'est même pas payé en plus pour faire ça. Donc en gros, Ziyu, il devient l'hôte de la partie, parce qu'on se dit que peut-être le bug... peut-être que celui qui dirige le robot, si c'est Lot, il n'y aura pas le bug. Parce que JJ, vu que c'était Lot, il n'avait pas le bug des icônes qui n'apparaissaient plus ici. Alors que moi, je l'avais, malgré le fait que je ne dirigeais pas directement le robot, le drone. Donc on se dit, peut-être que du coup, celui qui est Lot, il n'aura pas le bug. Ce qui est une possibilité, mais c'est pas sûr non plus. Voilà, donc voilà. Soit c'est ça, soit c'est parce que JJ est sur PC. Et moi et Hooper, on est sur Xbox. Sinon, à part ça, je verrai pas trop d'explications. Et donc, vous l'avez compris, on doit se refaire une fois de plus ce qu'on a fait. Voilà. Vous avez l'habitude, hein. C'est ça, comme en 40. Allez, c'est parti. Faut se retorcher les tours, quoi. Tu vois, là, on est plein avant, Ozio. Ah ouais, effectivement. J'ai pas l'impression qu'on aille beaucoup plus vite. C'est pas le plein vent de Sea of Thieves en gagnant, ça c'est sûr. C'est ça. Encore une porte de sécurité ? Il en reste encore beaucoup, des portes comme celle-ci. Allez. Le fun est palpable. Et voilà. Le fun. La technologie des portes est largement sous-estimée. Il est là. Mais tu sais que ça pousse de toi, Zio, putain. Sous nos yeux. Et le fun. C'est ta faute. J'ai demandé à plein de gens, personne ne voulait faire la campagne avec Hooper. Parce que, ou bien ils voulaient pas contrôler les robots, ou bien ils voulaient pas jouer avec Hooper. Hooper est en perte de popularité. Les gens voulaient pas faire la campagne avec quoi ? Non, mais moi déjà, je ne voulais pas faire ce jeu déjà, donc. Loul. Qu'est-ce que c'est conneries là ? On m'a obligé à faire ce jeu. Hein. Ah ouais. Moi je ne voulais pas faire cette immondice. Hein. Attends. JJ, tu me harcèles depuis des mois pour que je refasse du Sea of Thieves. Moi, je te dis non. Et ensuite, je me dis, bon, allez, pour lui faire plaisir, je vais quand même faire Gears of War. Le pauvre, il me harcèle depuis trop longtemps. Et voilà le résultat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Par contre, les gars, j'ai l'impression que je lag beaucoup plus qu'avec JJ. Je pense que c'est parce que la connexion de Ziyu est toute pourrie. Hein. J'ai vraiment l'impression que je lag à donf. Hein. J'avoue que je sens que je me TP un peu et tout. Oh, ouais, non, mais moi aussi, les gars. Bah ouais, mais c'était sûr, Ziyu. T'as une connexion pourrie. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est encore une grande épopée, cette histoire. Oh, purée. Il a explosé sur toi, hein. Je l'ai vu arriver. Hop. Bon, cela dit, pour l'instant, ça reste jouable. Oh, non, putain, Ziyu, meurt pas. Ah bah, si. Oh non, Ziyu. T'es mort. One shot. On pouvait pas te récupérer de toute façon. Bon. La joie et la bonne humeur continuent. Le fun est palpable. Elle est pour moi celle-là. Le fun. Désolé. Est présent. Il est là. Non mais quand je disais que c'était de ta faute, Zou, c'est que du coup, sur comment j'aurais fait l'épopée tout seul avec Hooper et on n'aurait pas eu ce problème. Parce que quand Jack est contrôlé par l'IA, en fait, il n'y a pas de problème. Et oui. Ah, mais t'avais qu'à pas me proposer. Hein. Je l'ai dit comme ça, vite fait. Présent. Genre, c'est toi qui t'as invité, là. Oh non, oui, je... si, il faut que quelqu'un. Bah, y'avait personne, donc voilà. Eh, non, tu m'as dit, ouais, carrément. Et le fun. Ah, ouais. Comme quoi, je suis trop gentil. Et le fun. Je reste en bas. En train de perdre Hooper.
Je reste en bas avec le snipe, hein. J'en peux plus de ces conneries. Oh putain, le snipe. Non, mais qu'est-ce que vous brancouillez? Oh là 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 là. Oh là là, tu te vides de ton. Il y a des frises et des ramages de partout. Pourquoi on s'inflige ça, les gars? Moi tout, pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on s'inflige ça? Oh, chouette. Mais qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu? Putain, mais JJ, tu sais bien qui t'envoie un drop là-bas. Aïe. Quoi qu'il mais mort, je me fais enchaîner. Exprès ou quoi? Pas du tout. Le problème, c'est que y a le snipe qui me met mal, puis ensuite il finit le drop. Ah, ça va, je l'ai explosé là. Pleine tête. On les a vus. Occupons-nous de cette porte. Pleine tête. A ton avis, qu'est-ce qu'on va trouver de côté de ce truc? La vérité. Putain, c'est dur. Donc, Hooper, si je l'ai, ne t'enfuis pas. Et voilà le travail. Ne perdons pas, pas plus de temps. Ah oui, là, c'est vrai. Bah, tu fais bien de me le dire parce que moi, franchement, j'allais repartir. Mais non, j'allais avancer, quoi. Bien réfléchi. Non. Le feu n'est palpable. Le fun est présent. Il est là, sous nos yeux. T'as vu ça? On a une tour radio le droit devant. Reste à espérer qu'une transmission au niveau des transitions de 2 tours. Quoi dire, il nous faut les données de transition de 2 tours par mois. Ça ne suffira pas à déterminer l'origine de ce message. Dans ce cas, au boulot. Je me demande si on va réussir à battre l'épopée de la plus pourrie après celle de Rayman Origins quand même. J'ai des doutes, hein. Ouais, mais là, c'est pas de notre faute aussi, de la prescription. Oui, mais là, sur celle-là. Oscar aurait quand même plus payé une motoneige, un modèle avec chauffage. Imagine la galère pour trouver du carburant par ici. Non, le truc, c'est la plus commode. Ouais, peut-être. Ça va, vous laguez bien? Aucune chance de... Honnêtement, quand on se déplace, mais... non, ça marche bien. Mais ça va encore, mais c'est vrai que ça se voit que ça lague un petit peu plus qu'avec JJ. Moi, je le vois. Il y a quelques petits ramages des fois, mais franchement, ça reste jouable. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est dommage, quoi. Bon, après, là, c'est, ah, écoute, c'est ta connexion. Si par miracle, on arrive à finir ce chapitre sans que je sois buggé, bah, je pense que la seule solution, ça serait que GG soit l'hôte et que ce soit robot. Hein. Après, moi, je peux prendre aussi le robot. Hein. Mais après, c'est vrai que, ouais, je dois avouer que je voudrais pas le prendre tout le long, mais bon, si on y est obligé, ça, c'est autre chose. Ouais. Après, c'est vous qui voyez, moi ça ne m'arrange pas, moi je l'aime pas, c'est pour vous. Non, mais moi aussi, je prends le robot. L'ennemi qui utilisait le drop shot, en fait, par exemple, je voyais le drop shot se TP, en fait, c'était pas fluide. Tu le voyais avancer du genre, on dit FPS, en fait. Tu crois qu'on peut facilement atteindre cette tour? Bon, allons voir ça. Et la rafale? S'il le faut vraiment, on la traverse, comme la dernière. Marcus, on a vu... Ah oui, il y aura le transporteur qui va tomber. Comment il a mis du haut? Qu'est-ce que t'en penses? Attention! Viens, par ici. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à être le premier? N'est-ce pas? Ah oui, mais en plus, en bas à droite de l'écran, j'ai le logo des fois. La connexion n'est pas stable. Ouais, moi aussi, je vois, ouais. Ouais, on le voit là. Je me demandais ce que c'était, mais je pense que c'est ça, oh, en fait. Hein. Laisse-la passer. C'est la connexion, oh, qui déconne. Attends, j'arrive. C'est bon, tu l'as relevé? Voilà, Del, t'es d'attaque. Je le fais. Encore une fois. En voilà d'autres. Il reste appuyé. Kate, il y a une grotte devant. Allons-y. Mais carrément, j'ai des fois des éclairs. En mal selon le jeu, je crois. Non, mais dans les logos en bas, en fait, à droite. Alors on les dégage.
Ouais, en fait, non, c'est pas un éclair, c'est une croix sur la connexion. Non, mais attends, mais je suis TP, les gars, c'est un jeu. Ouais, là, c'est une catastrophe. Là, il y a des éclairs. Voilà. L'éclair, c'est juste un trait. Non, mais je suis TP en arrière. Ouais, en fait, l'éclair, c'est juste pour mettre un croix sur la connexion. Là, c'est un point. C'est injouable. Non, je tire sur les ennemis, ils se font pas toucher parce qu'ils doivent pas être là où je tire. Quand je vais à gauche, mon personnage va à droite, c'est... Je suis blessé. Allez, retour au combat. Oh putain. J'allais y rester. Pourquoi tu rigoles? Il y a un mec qui a été au moment où on a commencé à se refaire les tests. C'est juste qu'à maintenant, il a disparu 10 heures. À aucun moment il s'est passé peut-être plus d'une demi-heure sans que tout aille bien, je crois. À aucun moment. J'ai pas très bien entendu Ziyu, mais je suis d'accord. Fabrique dans ces montagnes. T'as entendu Marcus? Kadar était le QG des locustes. Ils ont peut-être tiré ici. Faisons le tour pour essayer de trouver une autre sortie. Le Boltok. Tu veux me le piquer encore? Moi, et... moi je l'utilise. C'est vrai, j'avoue. Allez, sois galante un petit peu. Par contre, non, mais je pense pas que... Bon, là, on s'en fout, mais je pense pas qu'après, Zui pourra rester haute. Hein, parce que ça lague trop dur, les combats, vraiment. Non. Là, c'est injouable, je vous le dis. Hein. Vous verrez sur la rediff, sur mon truc, c'est un truc hallucinant, c'est injouable. Pendant 30 secondes, en fait, le perso, il faisait du bac, il revenait. Vraiment, c'était un truc de fou. En fait, le problème, c'est non, mais au pire, moi, je peux tenter d'être haute, moi. On aurait dû faire ça, en fait. Je suis hot, je prends le robot, moi je m'en fous de prendre le robot, je vous l'ai dit. Hein. Ça me dérange pas. Ah, on va sur TP, j'ai niveau la croix, enfin. D'accord, oublie ce que ah ouais. Magnifique. Le lag que j'ai eu, c'est extraordinaire. J'ai lancé. Ouais, non mais on l'a tous, je pense, on l'a tous. Non mais le truc c'est que la balle de lance-grenade est restée en fait devant les filles. Elle est restée en lévitation. Je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Où je tire une balle, il faut attendre une seconde pour qu'il ait un pas. C'est le mode hard du jeu. Le gros est mort. Putain, vous avez réussi à le tuer? Bah, je lui ai mis quelques balles de snipe en pleine tête, ça a été vite du coup. Donc, du coup, le sulfator qui ne sert à rien. Génial. Maintenant on le sait. Donc ça veut dire que là jusqu'à... Oh là. Oh, j'ai été TP les gars. De 30 mètres là. De 30 mètres putain. Si on arrive à passer cette phase de l'éboulement sans crever avec le lag, ce sera un exploit. Ce sera un exploit les gars. Je suis très fier d'être là pour... Très fier de vous proposer une telle expérience. Sachez-le. Trouvez pire que la grève coupante. La porte est juste devant. La tour est presque entièrement recouverte de glace. Ouais, vous avez survécu, hein. Respect. Mmh. Oh, on a eu du bol, je pense. Ben, courage. Alors, du coup, c'est Marcus. Où c'est qui a hein. Je vais vous confirmer qui c'est que je vois quand même. Non, c'est ça, c'est JD et Dell. C'est bien JD et Dell. J'ai confondu Dell avec Marcus. Mais qu'est-ce qu'ils disent maintenant qu'on a le personnage?
Oh, je sais pas. Putain, mais tu l'as vu trois fois, cette cinématique. Oui, mais j'ai les sous-titres, mais je sais pas, ça n'a aucun sens. Je sais pas ce qu'il dit. Je comprends rien. Vous verrez sur la vidéo. Je sais pas ce qu'il dit. Eux, en fait, ils disent rien. C'est la reine Mira qui parle à travers eux. Voilà, donc c'est compliqué. Bon, mon sniper n'a plus de balles. On va réussir à faire quand même la pire épopée du monde. Le pire let's play de Gears of War 5. Au moins il est pour nous. Là les gars, je crois que c'est acté. Le pire let's play YouTube de Gears of War 5. C'est pour nous les gars. C'est pour nous. Le pire ou l'un des meilleurs. C'est selon le point de vue. Non. Non, je pense pas là quand même. Je pense vraiment que c'est le pire. Il est pour nous. Il est pour nous. Non, il y a eu trop de couilles depuis le début. On est tellement sympa qu'on va en faire profiter tous nos viewers. Mais toutes les parties, même les trucs qui ont tout bugué, où on a dû refaire trois fois la même zone, vous allez tout voir, les gars. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Je mets un point d'honneur à ce que mes viewers puissent voir l'intégralité de mes épopées. On assume. Moi, je suis comme ça. Allez-y, courage pour cette phase de l'angoisse. C'est bon, c'est fini. Essaye de nous faire ça rapidement. Bravo. Bien joué. Alors on peut trouver le labo avec ces données. J'ai encore mes compétences là, actuellement. On a besoin de l'autre tour pour compléter le traçage. Qu'est-ce que t'en dis? On met Marcus au courant? Je l'appellerai depuis le skiff. Allez, on se casse. Ah oui, là, il y a la composant. Le sulfator qui ne sert à rien. Ah mais si, je suis con, on peut le porter. Tu l'as pris? Ouais, ouais. Tu l'as pris sulfator, je te vois pas, c'est pour ça que je sais pas où t'es. Ah oui, t'es là. Je suis à côté. Ok, je vais valider le composant ici, même si... Ah ben non, c'est bon, Ziyu y va. Ok. Non, mais le problème, en plus, là, ça lag pas. Je pense vraiment, c'est que dès qu'il y a des ennemis, en fait, ça lag. C'est ça qui va poser problème. Oui, bien sûr. Ouais. Je me disais que peut-être ta co est instable, mais en fait, non, elle est stable. C'est juste que quand il y a trop d'ennemis, en fait, bah, elle gère plus. Non. C'est bizarre parce que moi ça va, hein. Moi de mon côté. Oui, parce que toi t'es l'autre, donc c'est toi en fait, c'est comme si le jeu tournait chez toi. Et toi t'as quoi? Elle nous envoie les informations de ta partie en fait. D'accord. Enfin, du coup, ça veut quand même dire que c'est. Enfin, je trouve ça assez anormal que pour un jeu comme ça, ça pompe autant de bandes passantes internet. Mais maintenant je comprends pourquoi j'étais dans le rouge. Tout le temps que ce soit dans la horde ou quand on a fait les tests de la campagne solo, hein. Faut vraiment une bonne connexion en fait pour réussir à streamer ça. C'est... Enfin, pour juste à jouer en fait même. C'est incompréhensible ça. Ziyu, est-ce que tu sais combien tu as en débit montant et descendant toi? Ou tu sais non. Pas non, non, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Bien. Ouais, imagine ce que ferait quelqu'un lambda s'il apprenait le quart de ce qu'on sait. Ça explique que les ministres et tous étouffaient l'affaire. Même Anya. Donc là c'est. Voilà. J'avais perdu mes compétences quand. On était passé sur alors, le machin. Mais je pense que tu l'as plus là. Hein. Tu l'as plus. Hein. Si. Tu l'as si, je les ai. Si, si, je les ai moi. Ah, ouais. Moi, bah, moi j'ai le bug. Là, ça... Ouais, moi aussi j'ai le bug. Hein. Bah, ouais. Ça veut dire donc, que du coup c'est réparé. Ça. Donc c'est réparé. Ça veut dire que c'est vraiment que l'hôte joue Jack. Ouais. Ben voilà. Putain. Vous pourrez dire ça sur les forums. On a trouvé un moyen de contourner ce bug. Oui. L'hôte joue le robot et le robot ne peut pas bugger. Voilà. Le pire, c'est que ça n'a aucun sens, parce que là, le bug s'est produit, mais sans aucune raison. C'est quoi? C'est genre un script qui provoque ce bug? C'est quoi? C'est vrai que c'est bizarre. Tout à l'heure, je pensais que c'était quand on a vu le freeze, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir, du coup, c'est sûr. Bah, mais alors là, du coup, non, c'est quand tu passes à un moment précis, ça doit... Moi, je pense que c'est quand tu décryptes avec le minigame. Là. À mon avis, c'est à ce moment-là que tu perds tes compétences. Ouais, ou à la fin, quand on finalise la tour nord, en fait. Le fait que tu finalises le truc, ça provoque un bug avec les compétences de Jack. Enfin, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On sait que le robot ne buggera plus, c'est quand même le plus gros bug qu'on a eu depuis le début. C'est à cause de ça qu'on doit se retorcher 1000 trucs. Ouais, donc ça, c'est cool. Attendez. Le problème, c'est que Ziyu, il a pas une super co, et que dans les fights, franchement, c'est assez infâme. Bah ouais, je pourrais plus jouer. Simplement. Donc je sais pas trop comment on va faire. Bah
sera à l'un de vous deux de le trouver, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça. Mais je tenterai, tant pis, je tenterai de le jouer, hein. Moi ça me dérange pas, donc voilà. Après on peut aussi switch. Oui, oui, mais soir, oui, voilà, exemple, on pourra faire ça. Moi ça me dérange pas. Et puis voilà. Moi, c'est ce que je disais à Zou, ça me dérangeait pas avant qu'on fasse l'épopée de le faire un peu. Moi ce que je voulais pas, c'est de faire robot tout le long, en fait. C'est quand même bien moins passionnant. Non mais moi je veux dire, ça me dérange pas de vous voir comme ça jouer. Puis bon, le robot peut quand même stun les ennemis, je sais pas trop ce qu'il peut faire, il peut les flash. Enfin, c'est pas comme... En fait, je pense que le robot il est plus intéressant que ce qui n'y paraît à jouer, je pense. Ouais, bah, à mon avis. Hein. C'est pas comme s'il était totalement inactif, quoi. Là, ce que j'ai d'actif, c'est le bouclier pour nous protéger pendant quelques secondes. Une sorte de bombe à impulsion qui stun un peu tous les ennemis alentours. Et du coup, ouais, l'éclair électrique qui stun. Ah, et puis c'était ça la capacité passive que t'as eue avec l'impulsion, en fait. Ouais. Mais pas compris ce que c'était l'impulsion, bah c'est ça. Non, c'est l'impulsion, c'est le scan. Ah, donc quand tu lances l'impulsion, en fait, cette capacité passive, nous, on fera plus de dégâts. C'est ça, 20% de dégâts en plus sur les ennemis qui sont pris dans le scan. Mais bon, ça, c'est... ce n'est plus d'actualité, vu qu'on a dû recommencer, vu que ça a bugué. Ah, c'est sûr, et je dois avouer que j'ai pas trop envie de faire ce truc annexe. Je ne sais pas pourquoi. C'est fou, hein. Je crois qu'on va laisser tomber, oui, effectivement. Il était méchant. Je sais qu'elle a eu une enfance difficile. On les défonce. Non. Kate, au fond. Il est en peur. Oh, il est tombé. C'est bon, c'est bon. Faites gaffe, on attend que ça se reconstitue la flotte. Oh, il fait mal. Il est à terre. Allez, un petit finish. T'as même le finish, il a eu. On les a eu. Mais même dans le lag, vous allez me mettre plus nombreuses que j'imaginais. Oh, tu sais, je m'attends à ce qu'il soit partout. T'as sûrement raison. Et il y avait un Lanzor normal, hein, si jamais vous peur. Ouais, j'y vais. Ah, mais c'est con, je vais même pas utiliser mes trois grenades avec l'autre. Il est pas sûr, je crois qu'il est... Je l'ai vu quelque part. T'en es sûr? Sûr, parce que j'ai... Mais je sais plus où il était, en fait. Parce que j'ai hésité, en fait, est-ce que je vire mon rétro ou non. Et puis, en fait, je me suis dit, non, je garde mon rétro. Là où il a disparu, il aurait disparu. La coup de Zhu n'a pas supporté trois armes posées au sol. Bon, ah, mais si il est là, je crois. Il est là, mais on peut pas le prendre parce que. Ah non, c'est un chaos max. Hein. Ah, mais en non, fait, mais il a dû tomber en fait dans la glace, en fait, dans l'eau. C'est possible. On le voit ça, plus. Ouais. Ouais. Bon, par contre, j'ai 50 balles du Lanzor donc. Ah, je peux pas faire l'interaction avec l'échelle. Moi je l'ai, hop, en espérant que tu puisses. Ouais. Le petit moment de pression. Ah mais non, mais là c'est normal en fait. Ah oui, oui. C'est pour que t'aies... La vision. Ouais. Avec Oscar. Oh, wow, tu m'as tué, tu m'as tué. Désolé, j'ai été déconcentré. Oscar m'a tué. Regarde ce que j'ai trouvé. Marcus, t'as des infos sur un condor qui se serait écrasé? À vrai dire, les rafales en ont abattu plusieurs dernièrement. Alors attends, j'ai changé d'arme là. On va prendre l'overkill. Voilà. Des trucs intéressants. Le hambar, non. Alors la tour radio. Vous me dites si vous avez des munitions. Ah bah là déjà il y en a. Voilà, vas-y, prends. Voilà, bah c'est bon, 282. Allez, je suis refait, on peut y aller. Moi je suis full grenade, je sais pas si t'en as besoin. Il y a encore des balles. Grenade, non, je suis full aussi. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Moi, je suis bon. Ah oui, cette phase. Ah, et du coup, on va voir s'il avait bugué, tiens. À la fin.
Ah merde. Tirer dans la flotte, hein. Et pas bouger. Putain, what? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ok, on est bon. Voilà, sur la glace, on est bon. Alors, il est bugué ou pas? Non. Attention, attention, on va vous défoncer là. Quoi que. L'estron qui est mort! Oh purée. C'est bon, la marée est dégagée. Il m'a fait mal quand il a creusé. Je déteste ces gardiens corrompus. Prendre le petit tir. Il y a encore plus de débris volants que tout à l'heure. Empire. Ah, c'est vraiment ça en fait, tout qui est modélisé en hauteur là-bas. Quoi, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Oh putain, il y a une vigie ici, c'est vrai. Et merde, une autre vigie. Tout à l'heure, on l'avait vu facilement. Hein. Mais j'avais le long shot, j'ai fait mon côté headshot là, je l'ai tué. Et putain, mais. Putain, il est hyper rapide quand même, c'est un truc de fou. Hein. Faites gaffe, hein. Alors du coup j'ai quoi moi, l'overkill, d'accord. Alors attends, l'overkill, ok, je vais avec ça, c'est mieux. Attends, j'arrive. Mais j'ai plus de munitions là. Il est presque mort, il est presque mort. Faites gaffe hein. On va le finir. Nique. Allez, c'est bon. J'ai munitions en a là. Mais j'ai zéro munitions quoi. Et je prends le casseur, tiens. Où je suis? Il y a un Humber aussi. Lanzor LG. Ah, mais du coup, c'est pour des munitions ça? Non. Attends, j'y comprends rien là. Ah, mais non, d'accord. La masse elle remplace carrément le truc. Ah, ouais, c'est. Oui. Ouais, ouais, ça me va très bien. Bon, ok. Donc, je vais la remplacer par l'overkill. Allez hop. La prochaine GG, c'est pour toi de masse. Chacun son tour, on se partage le truc, ça me plaît. Allez. Bon, allons voir si on peut assurer le relais entre toutes ces tours. C'était là qu'il y avait des rebuts, je crois. Hein. Vraiment qu'on n'est pas venu pour en haut. Bah, c'est pas loin, en tout cas, d'ici. Ah non, attends. On rappelle même. Je peux faire. Oh, j'y vais, il y a des robots. Je me fais ce duo. En fufu. Il y en a d'autres, en bas, il faudra aller en face du bas. Je sais pas où vous êtes les gars, moi je vais en bas. Merde. Bon. Mais putain, comment on attaque déjà avec ça? Un gâche à droite, voilà. Tu charges ton coup. Si tu te fais taper quand tu charges ton coup, t'es comme ça. C'est bon. On est bon. C'est quoi? Ah, c'est, c'est le Lanzor LG. Oh fuck. Bon, voyons, je suis comment là? Bon, je suis full munitions. Ok. Bon, si tu veux des munitions, tu peux les prendre. Hein. Allez, go. Aide-moi à ouvrir ça. C'était pas là où il y avait du gaz partout et je devais mettre des chiens non-stop. Non, c'était avant. Non. C'était au tout début de la zone. Non, là, je sais plus du tout. Ouais. Mais du tout. Moi, de mort, c'est au début de la zone enneigée. Ouais, j'ai ça, on n'a pas à refaire. Ok, je dois faire le truc nul là. Ouais, bah clairement, là, c'est où on a bugué en fait. La prochaine c'était étape c'est d'aller bah, en fait la prochaine étape c'est d'aller où il y avait des signaux. C'est ça, au milieu du lac. On avait fait en sens inverse en fait. Okay, on l'avait fait en premier. On et la tour de l'Est on l'a fait en deuxième. Ok, donc j'imagine que c'est ici. Ouais, donc la durabilité de l'arme ne part que si on touche les ennemis par contre. Hein.
Je pense, ouais. Enfin, sauf si on fait le gros coup chargé. Voilà, parce que tu tapes le sol, quoi. Ouais. Là, j'ai un résultat. C'est bon. Ça doit être le labo. En plus, elle est tellement stylée, elle est stylée cette arme, quand tu vois un gars l'utiliser en fait, parce que la lumière qu'elle fait en fait sur le bout, ça fait... Ouais, ça c'est stylé. Mais bon. Ouais, mais c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'il y en aura plus. Attends, du coup... Alors... Allez-y, Yu, dis-nous que tu peux le faire. C'est bon. Ah ouais, c'est ça. Moi, je vois... Maintenant, je comprends ce que c'était des bugs. Comme quoi, on dit, oh, je vois pas mes capacités, je comprenais pas. Okay. On est à 3. 1, 2, 3. Oula, il y a de la latence avec 1, 2, 3. Non, c'est pas mal ça. Bon, ça dure quoi? Ça dure genre 8 secondes. En fait, ça, c'est la compétence de Kate en Horde. Quoi. En fait, elle peut se camoufler comme ça. Le problème, c'est que le camouflage, c'est ça. Tout à fait d'accord. Mais j'étais planqué, putain. Ah là là. C'est bon, on les a tous eus. Redescendons dans la colline et retournons au skiff. C'est bon. Ok. T'es prêt pour le labo? Ouais. Ah, tu te remets à soupirer du nez au peur. Ah là, je dis ça, c'est pour toi dans la vidéo, si on t'entend. C'est assez fort. Ah mais non. Ah mais je pense qu'on m'entend pas. Non, je pense que c'est marrant, c'est le micro, c'est-à-dire que c'est le micro-casque qui le capte. D'accord. Mais le micro que je dis d'habitude, le capte pas, parce que là, je suis comme d'habitude. Ok, bon, bah, on va faire un test. On va faire un test. Non, mais si dans la vidéo, attention. On t'entend pas, c'est nickel. Je vais souffler du nez maintenant pendant 10 secondes. Non. Ah. Bouchons-nous les oreilles, you. Eh mais c'est moi ou c'est nos traces d'aller en fait. Voilà. Ça. Maintenant on verra entre la vidéo de JJ et la mienne, mais je pense pas que dans la mienne on m'entendra. D'accord. Parce que j'ai un micro de bonne qualité, moi monsieur. Je ne capte pas. Mais vous êtes où là? Mais qu'est-ce que je fais moi? Je suis pas content que je viens ici. Ça fait 7 heures qu'on se pose cette question. C'est moi tu vas. Ah non, c'est bon, c'est dans le bon sens. Non, ça y est, j'arrive. Je m'étais perdu dans les bois. Alors ça y est, on va bientôt arriver à l'endroit où on était bloqué. Incroyable. Il faudra mettre un petit peu de parfum une fois qu'on sera au skiff. Ok, mais j'ai une autre question à te poser. Si t'étais parti, tu serais allé où? Avant l'infestation de vermine ou après? Avant. Quelque part en bord de mer. Et après? Dans un bunker, à 5 bornes sous terre. Ok. T'as de la place pour l'inviter? Et tu fais quoi de Jack? Oh, lui, il prend pas beaucoup de place. Et toi? Tiré où? Figure-toi que j'en ai pas la moindre idée. N'importe où pourvu qu'il n'y ait pas de... Sinon, Ziyu, je vais te dire un truc. Je t'entends souffler du nez aussi, hein. Depuis 10 secondes, là. T'es sûr que c'est moi? Est-ce que tu le crois, ça? Je pense, ouais. Je pense. Après, c'est peut-être JJ, mais je pense que c'est toi. Enfin, souffler du nez ou de la bouche, hein. On sait pas trop, hein. C'est compliqué. Mais moi, ça ne me dérange pas, hein. Je m'en fous. Mais c'est vrai que, ouais. Mais je sais pas, du coup, comment ça se fait? Est-ce que là, on va l'entendre? Bah oui, là, évidemment, on l'entendra forcément. Ah, mais purée, je suis pas parti. Ah, je peux pas partir, je suis bugué. Arrête, moi aussi je suis bugué. Ah, c'est bon. Non, mais en fait, c'est... si on arrive au bout de cette immondice, je vous assure qu'on mériterait une médaille. Hein. Ah, vas-y, fais ton émulsion. Trianguler le signal avec une impulsion. Ça se tente. Ah, la vache. Non, je l'ai fait trop tôt, fallait attendre que le jeu me dise de le faire. Ok. Putain... Bon,
Ça alors ? Ça fait quoi, une heure et demie qu'on est coincé là ? On voit enfin la suite. Bien joué, mon grand. Une heure et demie de perdu, c'est quoi. Ce qu'on cherche. Mais comment on fait pour descendre ? Bonne question. Une couche de glace pareille, c'est du béton armé. Si jamais ça peut vous aider, merde, prétend qu'il y a une ancienne mine dans cette heure. Qui dit mine, dit explosif et détonateur. Transmets les coordonnées à Jack. Merci, Marcus. Effectivement, ça pourrait régler le problème. Cap sur la vieille mine. La vieille mine. Je pilote. Un petit coup. Ouais, c'est bon. Fais-toi plaisir. C'est où la vieille mine? C'est où la vieille tout mine? Alors, attends, je regarde. 1,7 kill à faire. C'est là. On la voit sur la boussole au pire. On la voit sur la boussole au pire. Ouais, mais je regarde juste où est-ce qu'on est, nous. Que je me revois parce que je le vois pas. On est en haut à droite. En haut à droite. Source du signal de la transmission. Ah, mais on est là en fait. Alors, du coup, on le. Attends, du coup, la mine est où alors? Tout en bas. La mine. Au milieu. Tout en bas au milieu. Ah oui, là. Ah oui, d'accord. Effectivement. Bon. C'est par là alors. Ah mais non, on voit plus le signal maintenant. Vous l'avez enlevé. Mais c'est derrière toi. Tu vois plus sur la boussole en haut de ton écran en fait. Où tu vois l'objectif. Calme-toi. Calme-toi. Ça y est, je le vois. C'est ça que je comprends pas pourquoi t'as regardé ta map en fait. Il suffisait de faire ça. Calme-toi. Parce que je pensais que c'était le truc rouge. Après j'ai compris que c'était que l'objectif était il était pas rouge en fait. Calme-toi. Ouais. Paniquez pas, je contrôle la situation. Voilà, direction par là. Enfin j'espère. C'est quoi ça, c'est un avion qui s'est crashé? Je vois mal. Bah c'est un des objectifs alternatifs qu'on a fait ça. Ah oui, qu'on ne fera pas hein. Au revoir. Il y a deux nuées ici. Bon, merci. Ah oui, en plus, c'était là. Boss, j'ai une idée, mais je sais pas quoi mettre. Je mets une nuée. Bah, t'en mets deux. C'est pour moi, ça te fait plaisir. T'en mets deux, c'est comme ça. D'accord, boss. Et là-bas. Ah, mais t'en mets trois. T'en mets trois, c'est très bien. Je vais rien dire, je vais rester calme. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais le tour de ce truc-là, moi? On se demande. Derrière. Non, c'était où? Par là-bas, alors? Ou par là? Je sais pas ce que je fais, hein. Il y avait un chemin? Non, il y a pas de chemin. Pas non plus ce que tu fais. Suis le marqueur rouge. Qu'est-ce qu'on fait, là? Suis le marqueur rouge. Le marqueur rouge? Dans ton dos. Le marqueur rouge. Il est par là. Pour t'aider. Il fait exprès ça. Et on va revenir, alors? Non. Est-ce que c'est par là? Certain. Ça paraît bizarre là. Non. Non. Ensuite, c'est pas clair. Un peu plus à gauche. Là, tu peux tourner à gauche, tu peux monter. Direction gauche, capitaine. Encore. Par là alors. Ouais. Et là, c'est encore un petit peu sur la gauche, il y a un petit passage. Pas dans le trou. Voilà. Bien joué. Il y a un passage, vous êtes sûr? Oui. Ah ouais. Vous avez l'œil, hein. Et le bon. Moi, j'avais rien vu, moi. T'inquiète pas, on est là pour ça. Et là, on va tout droit, là? Ah, on est bloqué, là. Ouais, attention! Bien. Ok. La mine est quelque part par là, pas vrai? Espérons qu'on y trouvera notre bonheur. Normalement, oui. Oh, ce chapitre 3 de l'angoisse. Si c'était de l'extraction... Mais c'est tellement mal fait! Mais les gars, mais... Attends, mais... Sans déconner, je rêve, quoi. Putain, mais les troncs d'arbres, c'est tellement mal fait, quoi. La neige, elle est mal faite. Le découpage au truc... Non, mais c'est un clin d'œil à la version vanilla de Skyrim. Ego. Oh là 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 là. Regarde-moi ça, c'est une série de Skyrim ici. Oh putain, je peux pas y aller, t'es pas sérieux.
Et ben alors ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, il fallait juste attendre. Téléportation. Voilà la mine. Ah, peut-être, je sais pas. Marcus, on y est. Qu'est-ce que tu sais à propos de cet endroit ? Alors, c'est une ancienne mine de Nethercutt. Extraction de métaux industriels rares. La CGU a nationalisé l'entreprise juste avant le jour E. Donc pas d'activité depuis la guerre ? Pas chez la CGU, en tout cas. Une découpeuse. On entend un souffle, les gars. Ok. Je confirme qu'on entend un souffle. Quelqu'un s'est mis à transpirer là. Je sais pas ce qui se passe, mais. C'est peut-être sérieux, moi, je ne sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit moi. Pour le non, coup. Du coup, c'est peut-être GG alors. Hein. J'ai le souffle particulièrement court. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout est déboîté ? Ou alors c'est le retour de mon propre souffle dans les oreilles, peut-être. L'exploitation forestière, c'est pas trop mon truc. Oh, ça paraît bizarre quand même. Wow. Alors, tu sais pas tout sur tout, toi. Quoi ? J'aime bien m'instruire. C'est un crime ? C'est beau. Le pont qui mène à la mine est bloqué. Un train a déraillé. Il y a forcément un autre moyen de traverser, non ? Voyons voir. Là, j'entends plus rien. Hein. Donc, celui qui faisait le souffle, il s'est calmé. Non. Yep, c'est moi, j'ai modifié l'inclinaison de mon micro. Alors, monsieur GG, hein, je on vous laisse la jouer incognito. Hein. Tout ça. Monsieur Ziou, t'entends respirer. Monsieur Ziou, tu lagues. Monsieur Ziou, t'es le robot. Il ne faut pas respirer. Ben, en même temps, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas le robot, il n'y aurait pas de problème. Ah ok, c'est prometteur. Pourquoi ils ont foutu... Oh putain, il y a des ennemis. Plus pour mec. Des vermisseaux. Il y a des vermisseaux. Sur la glace. Non, n'y va pas. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est qui cassé le sol? Mais pourquoi t'y allais, JJ? Parce qu'on est là pour s'amuser. À quoi ça sert de casser le sol pour les voir dégringoler dans l'eau glacée, c'est pas drôle. JJ. Ouais, mais rien ne vaut la puissance de la baïonnette. JJ. Ah putain. JJ. Bon, heureusement, il n'y a pas grand chose à refaire. Bon, la glace, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas? Putain, mais c'est un fou, lui. Mais non, putain. Tu lui fais peur. Mais tu fais quoi? Non, il n'y va pas. Mais putain, la glace, nom de Dieu. Mais putain. Il va m'énerver. Mais qu'est-ce que tu branles? J'ai déjà arrêté les conneries là. Vous faites exprès? J'ai déjà arrêté. Moi j'en ai marre d'attendre. Je veux de l'action. Moi je fuis. C'est pas de l'action là, on va mourir. Oh l'enculé! Comme ça qu'on fait. On va la voir avec ça. Bon, il a un drop shot. Ouais, il a un drop shot, faites gaffe le gros. Hein. Voilà, ouais, ça va, il mort hyper vite. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais. J'ai mis 3 aimbars en pleine tête. Ah, bien joué, bien joué. Ah, je suis con, j'avais la masse, j'aurais dû l'utiliser, putain. J'ai gardé cette masse à la con jusqu'à la fin. Quoi. Il y a un Lanzor, je vais peut-être le troquer pour mon Lanzor LG si on veut pas. C'est pas toi qui a un rétro Lanzor Ouais. Je viens de balle. Voilà, je reprends mon fameux Lanzor, merci. Ah, j'ai je vais enfin peut-être pouvoir garder jusqu'à la fin. Oh non. Non, non, non. Si ça ne rebug pas. Y a oh là, c'est quoi ce bruit? Un écume. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a quoi qui arrive là? Dans la flotte. Tirez dans la flotte, hein. La flotte, la flotte.
Bon, je m'occupe du côté droit. Il y a deux découpeuses au centre, s'il y a des gros meubles. Tirez là-bas au fond. Deux drop shots, putain. Là-bas au fond, tirez de l'autre côté, faites gaffe. Ça arrive. Deux drop shots. Oh putain. Non, non. Qu'est-ce que c'est que ce bug, quoi? Ah ouais, non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est complètement bugué, le mob. Ça n'a aucun sens. Très bien. Oh merde! On a un chien! Et on a un bastion! Oh. Dans la flotte, les gars, dans la flotte. Hein. La flotte. Enfin, j'enchaîne les headshots là. Voilà. Il fout là, lui. Il est pas content, le méchant Jack. Ah oui, c'était un vilain ça. En voilà d'autres. C'est bon. Ils veulent vraiment pas rentrer dans cette mine. Oh, mais c'est pas possible. Non, mais on s'en fout, c'est pas grave, on va se les faire là. Bon, c'est une grenade. Ça ne sert à rien. A beaucoup mouillé. What? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Ça va. J'en ai réchappé, Yon. Je sais pas comment. Bon, je vais me le faire. C'est un peu dangereux là. Oh putain. Aidez-moi. T'es où? Enfin, j'arrive. C'est bon, on a fini. Ah non, je vois, t'es là. Non, c'est juste que j'ai débloqué une capacité avec mon bouclier. Merde, il se ramène, lui. Je peux vous rêver avec mon bouclier. Il peut monter ou pas? Putain, il monte. Faites gaffe. Merde, pourquoi j'ai fait pause? Putain, ça servait à que dalle, mon attaque. Je suis dans la merde, faites gaffe. Je m'en occupe. Je suis à terre. Je suis à terre. C'est bon. Encore une victime. Ah putain, je suis à terre encore. Ok, je suis là, t'inquiète. Pour qu'on tue le robot. Oh, comment on fait pour revirer son bouclier là? Le robot. Ah, mais voilà, faut expliquer les choses, les gars! Et je l'ai dit avant, t'as fait une horde avec cette truc. Il faut expliquer mieux. Bien joué, Jack. Je ne savais pas que c'était le drone qui générait le bouclier, moi. N'hésitez pas à expliquer les choses et à les répéter 30 fois. Pour ceux qui ont du mal à comprendre. C'est compliqué. Allez, je prends le drop shot. C'est quand même pas mal comme arme. Je vais voir ce qu'il y a par là-bas. Alors, Slanzor, très bien. Ah, des balles, très bien. Lance-grenade, je peux prendre le lance-grenade du coup. T'as mis sur pause? Ah pardon, excusez-moi. C'est vrai que j'ai oublié que j'étais l'autre. My bad. Ah bah lui, ça me fait des balles. Eh oui. Parfait. Voilà, on est bon là. Bon, mais ça, c'était pas mal comme séquence. Vous voyez, j'ai bien aimé là. C'est cool. Il n'y a pas eu trop de lag. Full munition. Non, là, non, ça a été, franchement. Ça allait, ouais. C'est bizarre. Comme quoi. Non, peut-être tout à l'heure, c'était à cause des effets météo aussi. Peut-être pour ça. Non. Bon, franchement, quand tu verras la rediff, tu vas halluciner. Hein. Non, c'est garanti que c'était pas du tout les effets. Enfin, ouais, si. C'était peut-être à cause des effets météo, mais c'était pas les effets météo. Ça, c'est sûr. Ouais, mais bon, c'est ça que je comprendrais pas pourquoi c'est les effets météo qui font laguer. Parce que comme c'est scripté, les effets météo. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord, je sais pas. Mais c'est vrai que là, ça montre. Autant qu'il y ait beaucoup d'ennemis, que ça fasse laguer, parce que voilà, ils se déplacent. Il y avait beaucoup plus d'ennemis maintenant que tout à l'heure quand vous l'aviez. Exactement, donc c'est ça qui est. Mmh. Ouais, je. Ou alors peut-être t'as quoi, eu un petit coup de la... Ah, ici, un Boltok ou quoi. Ouais, mais vas-y, tu veux le prendre? Je l'ai déjà, donc... Tu veux des munitions, peut-être? Je suis full mine, donc... Ça veut dire que tu l'as pas utilisé, hein? Okay,
Je l'ai pas utilisé lors Tu de l'as cette pas phase. utilisé. Ah, il m'a beaucoup Il l'a pas servi. Il m'a utilisé. beaucoup servi quand je laguais. Ah, Tu j'ai de la l'as vidéo pas comme témoin. utilisé. Tu vas où tu vas en haut? Bon, je vais par là. T'as trouvé un collier, c'est incroyable. Il y a un coma sur ce Tout a été ravagé. Ah, il faut aller là-bas, ok. Je vous attends. Ah, j'ai une vision! Ah, pendant que t'as une vision, on peut que marcher. Comme quoi tes visions nous affectent. Ok, c'était la vision de la fin de Gears 4. C'était notre mère prise dans l'arbre des locustes, là. Et elle disait « Kaité, délivre-moi !» Voilà. C'était ça. Bon, moi je suis full mine avec toutes mes armes, c'est parfait. Ouais, moi aussi, hein, c'est bon, là on est prêt. Si vraiment, on il te est full manquerait un ammo tout de petit peu, peut-être partout. avec le boltoc ici, on a. Ouais, mais on s'en fout. Bon, tu me. Moi je suis full de chez Attends, full, vraiment. j'ai 420 au lance-or, 3 au lance-grenade, 29 au boltoc et 3 grenades, et plus le sulfator que je prends maintenant. Je pense qu'ils peuvent envoyer la sauce s'ils veulent. Non, j'adore, il peut c'est envoyer du comme lourd le et on va envoyer la sauce, disparaît c'est en pas fait pareil. quand tu tiens la porte et qui réapparaît dans tes mains ensuite. Ouais, mais j'adore ça cette aussi, non, animation. mais c'est plein de. Je pensais qu'on savait où étaient tous les étrangers. Il y a des trucs comme ça. Bon, ah. mieux vaut ça que tu la perdes, quoi. Surtout par la CGI. Oui, enfin, ça reste très mal fait, quoi. Go. Les gars, on fait gaffe, encore une fois, plus de morts, hein. On arrête de déconner, hein. Ah non, y a plus de mort, là, arrêtez, hein. Vous faites gaffe. Ah, c'est moi qui vais crever à tous les coups, mais faites gaffe quand même, hein. Moi, j'ai le droit, parce que je suis handicapé. Vous êtes pas censé être handicapé du pad, alors mais vous ne qu'est-ce mourrez que pas, c'est comme ça. Encore une porte. Ça, c'est la fête des portes à ouvrir quand même. Bien pire que ok, alors si. Ah, oubliez pas quand on peut faire tomber les trucs. Hein. Si on faisait le tour pour voir si on peut trouver des explosifs. Ça sent le boss ici, vous en pensez quoi, vous? Ah, ouais, ça sent le boss. Hey, Kate. Ici, tu pourras te remettre des munitions de lance-grenade. J'essaie d'éviter. Ok, d'accord, très bien. Merci, je m'en rappellerai. Je le prendrai après, du coup. Non, il n'y a plus rien d'humain. Alors, le boss, il est où? Bon, allez. Je sens bien un écumeur, moi. Reprenons les recherches. Pour changer. La zone m'a l'air un peu Moi trop je vois étroite. 4 Il sera, tout bugué l'écumeur si on a réussi. Peut-être un petit peu petit. Ah, ouais, l'écumeur est très quand même. Il a un très bon Par contre, on va tellement loin que je pense que j'aurais dû prendre la munition pour lance-grenade. Tant pis. Tant pis, il n'y en avait que une. À mon avis, on va y retourner en fait. À mon avis, on va faire un aller-retour. C'est, les ennemis, c'est, que c'est, pas pour tout. C'est curieux qu'ils aient mis cette grande salle sans rien quand même. Hein. Bah oui, mais on va revenir en arrière, on va ressortir de la mine et au retour on aura des ennemis. Mécanique de Gears 4 à donf. Ah bah t'auras des munitions du lance-grenade ici. Ah ça y est, il se passe quelque. Écumeur. Un écumeur, un écumeur. Oh le talent. Ah bah ouais. T'es bien écumeur finalement. Hein. Il est où? Je me suis fait one shot. Ajustez le tir! Sérieux? Est-ce que tu peux non. le ouais, rage? Je le relève. Oh putain, il y a une petite salope. Je suis blessé! Merde, je me suis pas. Je fais le con. C'est bon, merci. Vous êtes bons là? Essayons de le finir! Où, putain, il est là. Oh là là, oh là, je me casse. Il est presque mort. Il est mort? Non, pas encore. Ah, il est mis à quoi. Il est presque mort. Il va mourir avant. C'est bon. Il est mort, ça y est, mort. Oh, mais il y avait des trucs explosifs qu'on n'a pas fait. Ouais, on l'a pas fait.
prends l'air. Tant pis. Kate, je suis presque sûr que cette grosse foreuse marchait au phosphore. Ah, il restait des munitions okay. Là-dessus. Et alors ? Donc, quand le phosphore entre en contact avec l'oxygène de l'eau, il brûle. Et ça pourrait résoudre notre problème. Comme d'hab, j'utilise pas mes grenades. Ah, moi aussi, pas assez. Hein. Pas assez, pas assez. Hein. Il y en a partout, mais j'utilise jamais, quoi. Bon, et si on allait faire fondre ça? Ah, ou l'arba, attention. C'est quoi ça? Magique symbole. Tu fais quoi, Ziyu? Ah. Attention, ça arrive, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui arrive. Oh, ok, faut pas que le truc se transporte. Excuse-moi. Attends, je vais le poser. Ils sont là-haut. J'ai pas le droit de le poser. Mais c'est quoi que t'as? C'est une bombe explosive, je sais pas. Une bonbonne de gaz. Ah mais c'est ça. Avancez on pas trop sortir. Vite, on reste ensemble. Hein. Ouais. Et reste un peu en retrait. T'es où? T'es là-bas? Ok, j'arrive. Ah, en du fait... coup, Ziyu, tu peux rien faire. Tu peux rien faire là que tu peux rien faire si, ou si, pas? Je peux t'es attaquer, utiliser mes compétences. Ah quoi. D'accord. Je peux pas se tromper. Okay. Oh putain. Bah en fait c'est la bombe qu'on a besoin en fait pour péter à l'endroit où il y a le truc quoi. Mmh. Au moins c'est cohérent. Avance pas trop hein, fais gaffe hein. Non, je suis à 95% là, j'ai pris 5% de PV. Putain, évidemment. Je suis à terre. Mmh. Je peux pas utiliser mes compétences. Je pourrais pas. Ah, mais. Oh, c'est pas vrai. Cette blague. Ouais. Non, moi, sans déconner, toi. Non, mais tu peux pas utiliser parce que tu portes la bombe ou... Oui, c'est ça, non, c'est parce... ça. Parce que oui, parce que je porte la bombe. Ah, oui, pas du tout parce que tu portes la bombe. Ah, non, mais j'ai eu peur que t'avais de nouveau le bug, quoi. Juste... Non, non. Ok. Bon, heureusement, j'ai l'impression qu'on s'en est sorti. Oh putain, ça arrive. Ça va, contre eux, je peux être utile. Ah, je suis con, j'aurais dû prendre les munitions directement. J'en avais que 3, j'avais oublié que c'était 6 au maximum. Pour lance-grenade, du coup. Mais ils ont pas envie qu'on parte! Voilà, une petite grenade des familles. Attention à l'explosion. Oh, bien joué. Parfait. Ah, je crois que je vais reprendre le Lanzor. Il switch un petit peu. En fait, faut repartir ouais. Là. Ok. Allez, viens hop. M'aider. Allez, on va venir à bout de ce chapitre de merde. Pas moi qui l'ai dit. Non, oh, il est horrible. Il est horrible. Moi j'ai rien dit. Hein. Allez, moi bah, je trouve fait, ça très bien. Franchement, on l'aurait fait qu'une fois. Ça aurait été pas passionnant, mais ça serait allé. Ouais. Est-ce qu'on était médisants jusqu'à la fin en fait? Jusqu'à ce qu'on ait le bug au moment où on a. Non, non, mais franchement, si ça n'avait pas eu de bug. Si on n'avait pas eu de bug et tout ça, franchement ça passe. Parce que c'est quand même wow, assez beau et tout, donc ça va. Ça passe. Ça, franchement ça va. Mais c'est tout, c'est où, là, taper aller, cette hein. Phase qui est pas passionnante, qui est moyenne, voire mauvaise. On boucle. Qui est mais horrible. C'est vrai que je trouve que ça. Il y a un petit peu trop de je marche, je parle. Vous êtes un petit peu abusé là quand même. Hein. On doit passer par là. Bah, je sais pas. Si, on va suivre le mouvement, les gars. Oh putain. Ah,
Bah comme toi dans Gears 4, hein, tous à la tronçonneuse hein, pour les revues. Oh, ouais. Merde. Oh mais je l'ai raté. Putain mais je suis planqué, il me touche. Ah j'en peux plus quoi. Et reviens, reviens GG là, prends pas de risque. Ah putain, je peux pas le heal. Ah j'arrive. S'il y a des petits qui s'approchent, je peux les tuer. Il est mort. Attention. Allez c'est bon, bien joué. On est bon. Y'a le sulfator là, hop. Ouais, y a un petit peu moins de lag qu'au début, hein. C'est presque bien jouable là. Sérieux, hein. Bizarre. Bah franchement, c'est jouable. Oui, non, là ça va. C'est pas parfait, mais c'est parfaitement jouable. Non, faudra monter, c'est pas grave. Y'a rien d'intéressant là-dedans. Ah, c'est par là. Non. On peut dire que venir ici aura été une expérience marquante. Mais là, l'idée qu'on doit t'escorter, entre guillemets, c'est pas mal. Même si toi, tu peux pratiquement plus rien faire. Bah en fait, ouais, c'est ça qui est con, en fait. C'est débile. Je peux même pas utiliser mes compétences. On aurait dû les trouver. Genre, je peux pas lancer un scan. C'est complètement con. Comme JD. Non mais ton personnage ou bien il porte ouais. Quelque chose ou bien il a ses compétences. Hein. C'est trop complexe. Je pense qu'il reviendra lui-même un jour. Je sais pas. J'espère mais. Je sais pas. Kate, tu veux que je te booste? Le skiff est par là. Oh non. Oh putain j'ai eu peur. Ah mais c'est peut-être parce que t'as l'arme à deux mains. Non mais j'ai eu peur putain pendant 3 secondes j'avais pas le X. Putain. J'ai vraiment cru que ça allait bugger. Moi je me fais... Moi je me fais TP au beau milieu de... d'animation en fait. Mais je pense savoir d'où ça vient. En fait, je pense qu'il y a une latence entre toi et nous en fait, Ziou. Du coup, toi t'as déjà eu la fin de l'animation de la courte échelle. Et moi pas en fait, je devais être en décalage d'une seconde et du coup... Tiens je te mets au pilotage si tu veux. Ah mais attends il faut que je pose ça. Est-ce qu'il y a la place? Oui on peut poser. Bon mais très bien. Deux sulfateurs non en fait. C'est ça qui est excellent. C'est vrai. Et là ce qui est cool c'est qu'on a deux sulfateurs. Hein. Attends sauf que... Ok mais la bombe je la mets où dans ce merger? Je fais quoi? Est-ce que t'es sûr que tu devais pas faire un truc spécifique là? Ah bah non c'est bon. Ah ça y est. Non ça va, tu m'as fait peur Ziyu. Non mais, si vous jouez le robot, vous allez pouvoir se placer ou se placer à chaque fois, c'est tricky. Hein. Attends, si tu te mets au-dessus, ça marche pas. Si tu te mets devant, ça marche pas. Si tu te mets derrière, ça marche pas. Faut te mettre sur le côté, mais pas trop. Ah ouais. Il faut regarder vers le bas. Ouais. Et c'est où qu'on doit aller du coup? Au nord? Source du signal, ouais. Tu sais, on pourrait explorer les source du signal, voyons. Ah c'est là-bas. C'est où? Fou! Ah oui, c'est au nord. Qu'est-ce qui t'arrive, Ziyu? JJ, t'arrives pas. Oh putain, non, qu'est-ce que tu fous? Et c'est un fou, lui. J'ai dit qu'il fallait s'amuser un petit peu. Ça fait 1h03 pour la vidéo, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Hein. Putain, ça fait 1h03, mais on a tellement rien fait. Oui, c'est scandaleux, j'avoue. Putain, pourtant on va vite là, on fait en sorte d'aller vite. Hein. C'est pas grave. Je pense qu'on va attendre d'arriver à destination, puis on fera une petite pause. Et... Ouais. Je pense que pour aujourd'hui on fera encore une dernière vidéo, non? Il est presque 1h du mat, je pense qu'on peut encore en faire une dernière. Bon, moi je suis partant. Yep, une petite dernière. Ce serait bien de finir l'acte 2. Ça serait pas mal. Quand on aura traversé la glace, on aura du mal à remonter. Aïe. C'est ici qu'il faut aller? Ok. C'est ici. Temps de faire chauffer ce phosphore. Ah. Pas que tu récupes la bombe. Bah, alors la bombe, vas-y. Je le fais maintenant ou... Ah oui, attends. Ah ouais.
Bon, non, c'est qu'on va... La petite pause là. On fait la petite pause. Voilà, je mets là comme ça, c'est une magnifique vue. Et quand on reprendra, du coup, on fera péter la bombe. Du coup, la suite au prochain épisode. Vous dites plus au revoir. Bonne nuit tout le monde. Oh, non, j'ai plus envie. Cassez-vous. J'ai plus envie.